Alors bonjour à tous, donc merci d'être présents ici aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir de recevoir Hervé Coudray, entraîneur de l'USO Mondeville. Donc, donc la conférence doit se composer en plusieurs temps. Alors d'abord je vais vous présenter Hervé avec son palmarès, son parcours. Ensuite il vous présentera son métier et le club de Mondeville. Donc Hervé il est originaire de Bretagne. Alors avant d'être un entraîneur, c'était un joueur de basket. Alors il a commencé à l'Avenir de Rennes, donc où il coachait des filles. Ensuite, il a été de 91 à 97 le CTR de Bretagne, le conseiller technique régional. Il a été aussi assistant sur l'équipe de France cadette junior espoir et l'équipe de France A. Ensuite, il est retourné à Saint-Brieuc en équipe garçon, en Pro B. Puis il est revenu à Rennes coacher le défi. En 2002 jusqu'à 2007, il était à Mondeville. Ensuite, Valenciennes, puis Mondeville. Son palmarès, il a été champion de France nationale de féminine en 1994. Également vainqueur du Challenge Round LFB en 2009. Et il a été le sélectionneur de l'équipe du Mali féminin en 2010 et 2011. Et comme distinction, il a été entraîneur deux fois de la Ligue féminine de basket en 2005 et 2012 avec Mondeville. C'est à moi ? Ah oui, j'ai pas besoin de micro, parce que je crois que j'en ai déjà un. Rapidement, un petit bonjour. Moi, j'ai pas oublié ce que, j'allais dire votre coach, mais c'est pas un coach, c'est un prof qu'on doit appeler ça. Ce qui vous a dit, j'ai pas oublié d'où je viens. Et je viens des mêmes chaises que les vôtres. J'ai fait STAPS, parce que ça n'a pas été marqué là, mais j'ai fait STAPS à Rennes, parce que j'étais d'une autre région. Sauf que je n'ai pas fait management, parce qu'à l'époque, parce que je suis vieux moi aussi, ce n'était pas encore énormément développé. À l'époque, il y avait deux filières. Il y avait l'enseignement de PS, prof de PS, et puis il y avait une voie qui s'ouvrait, qui était le professeur de sport. Ça se met en route tout seul ? Là, je ne suis pas suffisamment expert pour savoir pourquoi. Et il y avait une deuxième voie qui était professeur de sport, qui en fait vous permettait d'intégrer le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et moi, le projet que j'avais, très jeune, parce que j'ai été sélectionné dans les équipes de jeunes, j'avais eu la chance de rencontrer le CTR de basket, qui s'occupe des sélections de jeunes, et j'avais envie de faire ce boulot-là. Parce qu'on travaillait pendant les vacances, donc ça ne faisait pas beaucoup, parce qu'on faisait du basket, et ça, j'adorais ça. Et donc l'objectif, c'était de devenir CTR. Et pour devenir CTR, il fallait avoir le brevet d'état deuxième degré et être fonctionnaire. Et le professeur de sport, il collait parfaitement à ça. Donc je n'ai pas oublié d'où je viens. Je n'avais pas forcément la chance d'avoir des gens qui venaient faire des conférences. Mais j'ai gardé énormément de contacts parce qu'il y a des gens qui ne sont pas restés dans le sport. J'ai un gars qui était avec moi qui est devenu directeur d'une société d'informatique. Et ça veut dire qu'en passant par STAPS, on peut arriver à n'importe quel endroit. Il y en a qui sont devenus kinés, ostéo. Mais ma foi, ce n'était pas quelque chose d'inintéressant. D'abord pour les échanges. Et puis ça vous structure un petit peu dans votre réflexion. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Je suis content de venir ici. Vraiment, la priorité que j'ai, c'est de pas de faire un monologue. J'ai vraiment envie de répondre à vos attentes. J'ai plutôt envie de répondre à vos questions. Alors, j'ai préparé deux, trois choses pour lancer un peu le débat. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ce soit interactif, que vous ayez envie de poser des questions et que je puisse répondre à ce que vous attendez plutôt que vous raconter des choses qui ne vous intéressent pas forcément. Alors, la première chose, tiens, on va passer cette diapo-là. La première chose que j'ai envie de vous parler, c'est vous parler du club où je suis actuellement et où je ne serai plus dans quelques mois, puisque je vais m'arrêter à la fin du mois de mai. Et comme la compétition se termine fin avril ou début mai, voire peut-être début avril en fonction des résultats, ça va se terminer très vite. Mais c'est un club que je connais bien parce que j'y suis depuis 10 ans, même si ça s'est fait en deux périodes. Une première fois 5 ans, absent pendant une année, et une deuxième fois 5 ans. Donc c'est un club que je connais bien. Le club de Mondeville, rapidement, il y a un certain nombre de licenciés, qui est un des gros clubs en Normandie. 24 équipes avec une filière qui est la recherche du haut niveau, y compris chez les jeunes, puisqu'il y a une équipe de minime qui joue en championnat national, une équipe cadette en championnat national et un centre de formation qui est le meilleur ou l'un des deux meilleurs en France. Un nombre de salariés assez conséquent, parce que les 19 salariés, vous imaginez qu'il y a en gros
9 joueuses professionnelles, 8 joueuses professionnelles. Et puis ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui travaillent autour du club, des bénévoles. Une salle assez intéressante pour le basket féminin, 2100 places, qui peut accueillir des VIP, avec des salons, avec une salle de restaurant, puisque les jours de match, il y a une salle qui est transformée en salle de restaurant, où il peut y avoir des prestations entre les gens, entre je viens voir le match, j'ai une prestation à la mi-temps et j'ai un repas à la fin du match. Des partenaires qui sont relativement importants, parce que je crois que derrière on passera un budget pour vous donner à peu près les grosses masses de dépenses et les grosses masses de recettes. Et des partenaires institutionnels qui sont un peu classiques, conseil général, conseil régional et la municipalité de Mondeville. Centre de formation, je vous en avais parlé, performant, en dehors du centre fédéral, qui est le Pôle France à l'INSEP. Il y a en France deux centres de formation qui sont réputés, Bourges et Mondeville, et on fait partie de ces structures-là, d'une des deux. Pourquoi? Parce qu'il y a la chance, la malchance de Mondeville, c'est pas avoir un très gros budget. Et la chance, c'est pour les jeunes d'être dans une structure qui peut leur permettre de leur donner une chance pour atterrir, enfin, pour rentrer dans le haut niveau. Quand vous n'avez pas un gros budget, vous avez 7, 8 joueuses professionnelles, ça veut dire que vous avez toujours une ou deux places pour des jeunes du centre de formation. Et c'est ce qu'a profité il y a la petite Black à droite, là, Esther Niamh-Kemoisan, qui n'est plus en France actuellement, puisqu'elle a fait le choix, après son bac, de partir aux États-Unis. Elle est dans l'université de Louisville. Mais déjà, sur son année de première et son année de terminale, elle jouait déjà avec l'équipe professionnelle et en Euroleague, puisqu'on avait fait une année d'Euroleague avec elle. C'était une chance pour elle d'acquérir une expérience supplémentaire, de jouer avec des gens ou contre des gens plus forts qu'elle ou plus âgés qu'elle. La saison en chiffres, un club qui participe en Ligue féminine depuis 15 ans sans interruption. C'est deux finales de Coupe de France à Bercy, il y a une erreur. 400 licenciés, c'est un objectif. Parce qu'ils ont rajouté là-dessus un certain nombre de choses. Les licenciés, je vais dire, loisirs, qui sont rajoutés là-dessus. 1500 spectateurs de moyenne, une moyenne de 20 rencontres à domicile. Vous verrez un petit peu combien ça donne de rencontres au total sur la saison. 150 partenaires, dont 26 nouveaux. Ce n'est pas pour cette saison, c'était la saison précédente. Et 10 partenaires médiatiques, qui sont les partenaires que vous connaissez, Ouest France et compagnie. Et une moyenne de 9 parutions hebdomadaires dans la presse écrite. Voilà, le projet club, le projet sportif, la participation au championnat de France, la Coupe de France, la Coupe d'Europe. C'est toujours trois objectifs qu'on a chaque année qui remplissent bien le calendrier. Voilà, cette année, il y avait une Coupe d'Europe qui est ce qui correspond à la Champions League en foot, l'Euroleague, qui regroupe les 21 meilleures équipes européennes. Et dont le final eight, la phase finale est en train de se jouer, puisque les demi-finales ont lieu cet après-midi et où l'équipe de Bourges est en demi-finale contre l'équipe d'Ekaterinbourg, qui est une équipe qu'on a rencontrée cette année. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, je voulais vous donner un petit peu c'est le budget de 2012-2013, je suis pas sûr. Si, c'est le budget de 2012-2013. Qui est plutôt le budget prévisionnel, hein, parce que je n'ai pas les chiffres, puisque la saison n'est pas terminée. Recettes compétition, 135 000 euros, vous voyez, sur un budget d'1,5 million, c'est quelque chose d'assez restreint. Recettes partenariat, partenariat privé, hein, 514 000 euros, 791 de subventions, partagées environ, hein, de tête, 550 000 euros par la municipalité. 91 000 euros par le conseil général et le reste par le conseil régional. Et les autres produits, c'est des stages qu'on organise pour des jeunes, enfin toutes les recettes, stages, tournois qu'on peut organiser, des recettes qui sont assez minimes. Dépenses, charges en personnel, charges directes au personnel, ça veut dire par exemple quand vous avez des joueuses étrangères, vous avez l'obligation de leur fournir un appartement. De leur fournir une voiture. Donc, ça veut dire charge directe au personnel, ça veut dire le loyer de l'appartement. Il doit y avoir les impôts locaux qui sont marqués dessus. Les déplacements, ce que vous verrez dans le deuxième PowerPoint, qu'il y a un certain nombre de déplacements, en particulier avec la Coupe d'Europe.
des charges activités liées à l'activité sportive ou au service extérieur. Activité sportive, c'est aussi tout ce qu'on a besoin en termes d'achat de matériel, d'équipement sportif, service extérieur, achat de matériel pour le secrétariat. Enfin, vous voyez, ce sont les grosses masses budgétaires. Si vous voulez plus de détails, je dois avoir le détail parce qu'Anouk a tout compressé. Mais ça vous donne à peu près le budget, qui est un budget qui correspond au milieu de la Ligue féminine. Budget-là, pour mettre une comparaison, ça, il faut comparer avec la Pro B garçon. La Pro A garçon, c'est, je crois qu'ils sont 16, 16 clubs en Pro A, meilleur. Et le deuxième niveau garçon correspond à peu près à ces budgets si on veut comparer garçon et fille. Voilà, et on va passer sur l'autre. Ouais, ça, c'est quelques interventions que peut avoir l'équipe à faire. La fédération a lancé, enfin la Ligue féminine a lancé le projet Marraine de cœur. Pour ne rien vous cacher, c'est d'essayer de créer des contacts, des liens avec des entreprises, avec des fondations, de manière à récupérer un peu d'argent. Profiter de l'image d'un sportif ou d'une équipe sportive pour véhiculer. Je ne sais pas si vous avez vu un moment l'équipe de France garçons qui jouait avec. J'ai oublié. Le Secours Populaire, c'est ça que je cherchais, sur son maillot. Et là, l'idée de Mondeville, à un moment, ça a été de véhiculer mécénat chirurgie cardiaque comme partenaire. Alors, vous savez, de temps en temps, vous allez voir un partenaire et le partenaire, directement, il ne peut pas, il ne souhaite pas afficher son nom, je veux dire n'importe quoi, Carrefour, par exemple, il ne veut pas afficher son nom au club. Par contre, il a envie d'aider mécénat chirurgie cardiaque. Et là, via ça, vous arrivez à récupérer des fonds. Et ce n'est pas inintéressant dans l'idée. Alors, la Ligue féminine a essayé de lancer quelque Est-ce que chose de. ça avait peut-être été présenté par Arnaud Dunikowski? Oui, Arnaud en a. On a passé 3 jours, enfin, j'ai peut-être pas présent, La mais Ligue, notre à la promo a Fédé. été 3 jours à Paris, dont une journée à la Fédé. Et Arnaud a dû en parler. À la fédération de basket, j'imagine, de marraine de Marraine de cœur, une cœur. fédération Ouais, tout à fait. ancienne Qui, de la Ligue. tout à fait. Et qui est pérenne, quoi. En fait, il le garde. Et chaque club essaye de. Parce que localement, il y a des choses qui se développent plus facilement que d'autres. Donc chaque club, dans le cadre de Marraine de cœur, chaque club véhicule un petit peu cette chose-là. Ici, facilement, on a des contacts assez forts avec le CHU. Et tous les ans, les joueuses vont, même si c'est de manière très sans parler de financement, hein, elles vont faire un tour dans. Il y a un secteur où il y a des enfants qui sont hospitalisés de manière très longue et elles vont passer 2, 3 heures pour essayer de leur redonner un peu de sourire. Donc l'idée, c'est ça, c'est pas simplement de l'argent, c'est aussi essayer de donner une image positive de l'équipe. Je crois que c'est le dernier, celui-là. Voilà, donc ça tu passes. Et à ce moment-là, on va passer sur la deuxième pour vous présenter un petit peu ce que c'est qu'une équipe de ligue féminine. Et comme quand c'est une équipe de ligue féminine, c'est plutôt. Vas-y, passe. Alors, voilà, vous présentez ce que c'est qu'une saison de ligue féminine. Un staff, le staff de Mondeville, il était constitué d'un coach, d'un assistant. Je vous donnerai à peu près son rôle, mais ra rapidement, il est présent du matin au soir comme moi, mais il a en charge le travail vidéo, de la préparation de l'adversaire. Il a en charge tout ce qui peut être, on va dire, organisationnel sur les entraînements matériels, les entraînements à l'extérieur, prendre contact avec les adversaires pour savoir à quelle heure on va s'entraîner. Et puis, lorsque moi je travaille attaque, lui, il a plutôt le penchant défensif et l'inverse. Rapidement, c'est un peu. C'est lui qui a le relationnel avec le staff médical aussi, par exemple, pour être au courant de qui va être arrêté ou qui a quoi comme blessure. Un préparateur physique. C'est vous qui l'avez choisi. Mon assistant, oui. Ouais. Voilà. Un staff médical constitué principalement de 2 kinés ostéopathes et d'un médecin. Vas-y, tu peux passer. Vous donner à peu près l'équipe, comment elle était constituée cette année. 2 joueuses meneuses de jeu,
mais avec une joueuse qui s'est blessée d'abord le 8 septembre ou 9 septembre, et puis ensuite le 24 septembre, puisque c'est fait une première luxation et une deuxième luxation de l'épaule, et donc elle a été opérée. Deux joueuses arrière, dont une qui s'est fait une rupture des ligaments croisés le 9 septembre, donc ça veut dire qu'on a été obligé de remodeler l'équipe, recruter une autre joueuse, remplacée par Binta Dramé, et Binta qui a été remplacée par Noël Quinn qui est arrivée au début janvier. Deux joueuses ailières et quatre joueuses intérieures. Un profil d'équipe relativement jeune, quand vous regardez la moyenne d'âge, 22, 19, 23 ans, 21, c'est lié au budget. Si vous recrutiez des joueuses avec plus d'expérience, le budget serait plus important. Vous ne pourriez pas avoir autant de joueuses, alors vous pourriez faire le choix d'avoir 5 joueuses et puis 5 joueuses du centre de formation, 5 joueuses professionnelles et puis 5 joueuses du centre de formation. Sauf que lorsque vous allez passer et voir, vas-y, enchaîne, Anouk, passer sur les objectifs où il y avait un niveau de championnat de France où on cherchait à viser le top 4, où on sera très loin de l'objectif. Pourquoi on avait fixé le top 4? Parce que l'équipe avait peu changé entre l'année dernière et cette année. Et on avait fini dans le top 4 l'année dernière. Donc l'objectif, il était de faire la même chose. Sauf que il y avait l'Euroleague, en plus, qui vous rajoute 12 matchs dans la saison. Et quand je dis 12 matchs dans la saison, on n'a pas l'impression que c'est important. Sauf que vous allez voir le calendrier tout à l'heure. Ça veut dire qu'entre fin octobre et mi-février, vous jouez deux fois par semaine. Et jouer deux fois par semaine, il faut que vous rajoutiez à ça les déplacements. Et quand vous avez une équipe de 20, 21, 22 ans de moyenne d'âge, c'est un souci. C'est un souci parce que vous ne vous entraînez pas. Vous faites de la préparation du prochain match, vous faites des déplacements, mais vous ne travaillez pas. L'année dernière, la chance qu'on avait, même si on faisait la Coupe d'Europe, on avait juste eu 3 déplacements dans la saison. Et 3 déplacements dans la saison, ça vous laisse du temps. Vous pouvez vous entraîner. Et quand vous avez 21 ans, eh bien, en fait, pourquoi on a fini quatrième? C'est parce qu'on s'est entraîné sans doute un peu plus que les autres et on arrivait à être performant. Pas forcément très fort techniquement, mais on était performant sur le plan physique, sur le plan de la défense, et c'est ce qui nous a donné nos résultats. Là, on a pris de plein fouet le fait qu'on ne s'est pas suffisamment entraîné, mais par la force des choses. Vous allez à Ekaterinbourg, imaginez Ekaterinbourg, vous partez le lundi matin à 8h du matin de Mondeville pour faire un match qui est le mercredi soir et vous rentrez que le jeudi soir. Ça veut dire que votre semaine est quasiment passée. Pourquoi? Parce qu'à Ekaterinbourg, il y a 5 heures de décalage horaire avec Mondeville. Vous prenez d'abord le bus, parce qu'on a les moyens qu'on a. Donc on prend le bus pour aller à Paris. Vous prenez l'avion Paris-Moscou, il faut 3 heures. Il faut changer d'avion. Vous avez une heure d'attente. Et entre Paris et Moscou, il y a déjà 3 heures de décalage horaire. Et vous reprenez l'avion à Moscou pour aller à Ekaterinbourg. Et il y a encore 2 heures de décalage et 2 heures d'avion. Donc résultat, vous partez à 8h du matin à Mondeville et vous arrivez, il est 8h du matin, le mardi matin, à Ekaterinbourg. Donc vous voyez, et après vous dites, ben, tout de suite on va s'entraîner. Sauf que vous avez 2 matchs, vous en avez un le mercredi, vous en avez un le samedi. Il faut penser qu'il ne faut pas blesser trop les joueuses, qu'il faut récupérer du voyage, parce que vous êtes un peu décalqué hein, quand vous arrivez à 8h du matin, quand vous sortez de boîte, vous voyez dans quel état de forme vous êtes, et ben là c'est la même chose. Et ça, vous faites ça 2 nuits blanches. Vous faites 2 nuits blanches en 3 nuits. Parce que la nuit de lundi à mardi, c'est dans l'avion. Mardi, vous avez passé votre journée ou presque à dormir. Vous faites votre match le mercredi. Et le mercredi, vous jouez à 18h et vous repartez à 2h du matin. Mais à 2h du matin, il faut être 2h avant à l'avion, à l'aéroport. Donc vous êtes à minuit hein, et hop, ça repart. Donc vous faites 2 nuits blanches sur 3 nuits. Et donc, ben, vous êtes obligé de gérer la fatigue, gérer les matchs. Et c'est ce qu'on a pris en plein face. Quoi. Donc, les résultats cette année sont en fait liés à ça. Pourquoi ça va un peu mieux en ce moment et pourquoi on fait un parcours en Coupe de France? Parce que l'Euroleague s'est terminé mi-février. Et depuis, on peut commencer à s'entraîner de nouveau. Vas-y. Alors, même si vous ne voyez pas ce qui est écrit, ce n'est pas très grave. Tout ce qui est en vert, j'espère que vous arrivez à repérer, tout ce qui est en vert, ce sont les matchs de championnat de France. Tout ce qui est en rouge ici, ce sont les matchs de Coupe d'Europe. Ça veut dire que vous voyez qu'à partir de fin octobre ici, là on fait tous les 3 jours à peu près, 3-4 jours, il y a des matchs et ça enchaîne. Et c'est pour ça que je vous dis que avec un break à partir de mi-décembre, on a dû faire break du 20 au 28 décembre, je crois, et on a repris l'entraînement ici. Et là, ça enchaîne et ça enchaîne. Et on a continuellement ce rythme-là de 2 matchs par semaine. Là, on vient d'enchaîner
C'est simple, on est au mois de mars. On vient de faire, je crois que c'est 5 matchs en 12 jours. Et là, on vient de faire 0 match. Enfin, on est dans une période de 0 match en 11 jours. Et derrière, on va refaire 4 matchs en 11 jours. Donc, ça vous amène à un rythme qui est très, je veux dire, perturbé. Enfin, à un moment, vous avez grosse concentration de matchs. Un autre moment, en ce moment, par exemple. C'est difficile de les secouer à l'entraînement parce que l'objectif, quand vous êtes habitué à jouer tous les 3 jours... Etc. Là, il y a 11 jours d'entraînement sans match. C'est pas tout à fait la même chose. Pour que ce soit plus clair, la fréquence des matchs, entre 55 et 63 matchs répartis en 36 semaines, ça vous donne à peu près le rythme, un 75 par semaine. Pourquoi il y a 55 à 63 ? Ça dépend d'où vous allez en Coupe d'Europe, d'où vous allez en Coupe de France. Sur les 55, il y en a en gros 10 de matchs de préparation, de matchs amicaux. 9 jours de trêve à Noël, 12 semaines à un match, 22 semaines à deux matchs, une semaine à trois. Et une semaine à 4, pourquoi j'ai mis ça ? C'est une éventualité. L'équipe de Bourges, par exemple, vient de jouer, comme ils sont en Final Eight, ils ont joué lundi, mardi, mercredi, repos hier et ils rejouent aujourd'hui. Et si jamais ils gagnent la demi-finale, ils ont encore un match derrière. Et tout ça en une semaine. Voilà. Et tout ça avec une équipe qui a déjà blessé la semaine dernière, même si elle joue, elle a un nez cassé, et une joueuse avec un ligament croisé. Donc ça veut dire que votre effectif, il est restreint. Et là, bam, vous arrivez en fin de saison, il y a encore plus de matchs. Rouge, parce que ce n'est pas anodin. Tout ce qui est en rouge ici, c'est les moments où vous êtes en déplacement, où vous n'êtes pas chez vous. Et ça veut dire qu'il y a des périodes qui sont assez longues. Ça nous est arrivé d'aller jouer, par exemple, à Salamanque, en Espagne, en Coupe d'Europe, et de ne pas rentrer entre les deux parce qu'on jouait à Tarbes. Et donc, ben, vous restez. Et ça veut dire que vous partez le mardi matin et vous ne revenez que le dimanche. Et ce n'est pas anodin. Quand vous occupez d'un groupe féminin, en plus d'un groupe féminin, qui reste 24 heures sur 24 pendant 7 ou 8 jours ensemble, c'est pas anodin. C'est une des différences avec les groupes masculins. Un groupe masculin, il me fait chier, je lui dis, point à la ligne. Une fille, elles ne se le disent pas forcément. Ça reste à l'intérieur, puis ça couve, et puis... C'est important. Non, mais quand on... C'est dans la vie, ça. Ouais, mais... Par sportif, bien entendu. Mais tout à fait, ouais. Et après, le moindre détail, même si ça n'a rien à voir, par exemple, elle ne m'a pas dit bonjour, alors qu'elle ne l'a peut-être pas vu. Mais ça renforce. Et le problème que vous devez être capable de régler quand vous êtes coach, c'est d'être capable de repérer le matin, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais... Moi, ça fait 12, ça doit faire 25 ans que je m'occupe de basket féminin. Vous commencez à avoir un peu d'expertise. Je pense que le langage du corps, c'est quelque chose de hyper important chez les filles. Je racontais à une joueuse, je suis désolé, hein, je pars, mais vous me coupez quand ça vous fait chier, vous n'hésitez pas. Il y a une joueuse qui est arrivée, là, qui est blessée là, en ce moment, qui s'est fait une luxation d'un doigt, et qui arrive à l'entraînement. Elle ne m'a pas parlé. Et je lui dis, tiens, viens voir Laetitia. Je lui dis, Laetitia, il y a un truc qui ne va pas. Elle dit, mais non. Je lui dis, Laetitia, tu vois comment tu me réponds ? Et après, ça n'avait rien à voir avec moi directement. C'est parce qu'elle est dans une phase d'orientation. Elle ne sait pas si elle va rester, si elle veut aller dans un autre club. Donc elle est en train de se poser plein de questions. Mais le langage du corps, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand vous avez un peu l'expérience, votre objectif, c'est... Il y a la demoiselle là qui va pas très bien, il faut déjà essayer de dégonfler le ballon avant qu'il n'explose. Parce qu'une fois qu'une joueuse a décidé qu'elle ne pouvait plus la sentir, c'est mort. C'est mort. Donc il faut arriver, tiens, hop, je dégonfle, hop, et on est reparti pour 2 mois. Ou 1 mois, des fois c'est un peu moins. Voilà. Mais l'objectif c'est ça, quand on se dit bonjour le matin, on se tape dans la main comme ça. Si déjà la joueuse elle vous tape dans la main sans vous regarder, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc il faut arriver à trouver un peu ces signaux-là. Les déplacements, 86 000 km dans l'année quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout répartis en combien de jours. 117 jours passés à l'extérieur, ça représente 45% du temps. C'est pour ça que j'ai pas de femmes mariées et qui n'ont pas d'enfants, parce que vous imaginez. Et c'est pour ça qu'elles sont jeunes aussi. C'est pour ça aussi que c'est pas facile, et c'est pour ça que c'est un métier, qu'elles sont joueuses professionnelles, parce que c'est pas facile de pouvoir poursuivre des études aussi. J'en avais
Une qui était en droit, une qui était en langues étrangères appliquées, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça, mais voilà, ben, c'est pas simple. Alors le plus facile, les cours. Là, c'est pas un secret, on a eu Ingrid Tancret. Tout à fait, Ingrid. Qui a tenté de rentrer en M1 il y a l'année dernière, et qui au bout de très rapidement est venue voir le responsable du L1, est venue me voir, M1 est venue me voir aussi en tant que directeur du Master Global. J'ai discuté avec elle et le rythme, et j'ai découvert que même en féminine professionnelle, c'était un rythme comme celui-là qui n'est pas très compatible avec notre M1, même en étant bienveillant, et on l'est beaucoup, notamment pour les activités sportives. On n'a pas pu trouver avec Ingrid Tancret le moyen de rendre compatible parce que ce que tout le monde voilà. La seule chose qui serait compatible, c'est d'arriver à imaginer, parce que ça va se terminer mi-avril par exemple. Et de mi-avril à fin août, c'est libre. Et il faudrait arriver à trouver une structure, vous voyez, les Américains, ils ont les summer school. Et les gens qui font beaucoup de sport dans l'année, ils ont des cours en moins, ils rattrapent tout ça sur des summer school. Mais pendant l'année, sincèrement, même avec la meilleure volonté du monde et du coach en particulier, c'est très très difficile. Donc ça vient pas de vous, hein, ça vient pas que d'elle. Sur certains cas particuliers, j'ai pensé que certaines joueuses mettaient pas beaucoup du leur. J'ai eu une joueuse qui a fait un master de droit, Yacine Séné. Elle est allée au bout. Sauf qu'elle allait en cours de 8h à 10h le matin, elle se dépêchait pour arriver à l'entraînement à 10h30, elle faisait entraînement de 10h30 à midi, elle mangeait un sandwich, hop, elle repartait en cours de 14h à 16h, hop, elle revenait à l'entraînement et elle bossait le soir. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Voilà. Ne pas minimiser la fatigue due à un déplacement, la fatigue du transport. Imaginez que vous faites 1m95, vous êtes dans un minibus ou dans un avion. C'est pas toujours hyper agréable. Les attentes dans les aéroports, les habitudes bouleversées. Vous allez jouer en Russie, mangez pas tout à fait la même chose qu'ici. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'elles font les filles? Elles amènent des bonbons, elles amènent des. Voilà. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses en termes diététiques. Et un jour de voyage, c'est pas forcément un jour de repos parce que quand vous prenez l'avion à Paris à 9h du matin, vous imaginez qu'il faut être à 7h. Sauf que quand vous arrivez à 7h sur Paris, vous savez pas si vous allez avoir de la circulation ou pas, donc vous partez un peu plus tôt. Donc vous partez à 3h du matin ou à 4h du matin. Donc ça bouleverse un peu et il faut tenir compte de tout ça. En vert, il y en a déjà beaucoup moins. C'est les jours où on n'a rien fait, où il n'y a pas eu, où le coach n'y a pas convoqué les joueurs pour une séance vidéo, pour un entraînement, un truc comme ça. Et là, il y en a beaucoup moins. Je crois que derrière, j'ai dû mettre le nombre. Il y a une convention collective dans les contrats de joueurs. Oui. C'est-à-dire que il y a le nombre de jours des calendriers. Il y a des règles sociales, on va dire, des salariés. Mm-hmm. On peut, comme ça, dire aux gens, tu te lèves à 3h du matin. Parce que si on appliquait ça, enfin, une convention collective à une infirmière, à qui tu dis le boulot, tu démarres à 3h du mat, même si c'est 8 places, ça coincerait. Il y a un joueur allemand qui avait tenté ça en une année, qui avait voulu requalifier son contrat et avait appliqué les heures supplémentaires liées à ça, que le public ne connaît pas, il voit le match, il ne voit pas le reste. Et donc là, est-ce que tu as des contraintes, par exemple, de... Parce que là, c'est quand même impressionnant, là, j'avais jamais vu ça sous cette forme-là, c'est très... Enfin, celle d'avant, Anne. Hop, là, c'est là, ça là. Quand tu te le superposes avec les matchs, c'est jamais que des filles. C'est non. Pas désagréable d'être en déplacement avec 12 filles ou oui, 10 pour filles. Toi, mais l'accumulation non, mais... pour une équipe de Euroleague. Est-ce que l'Euroleague n'était pas en trou là? Pourquoi pas? C'est surtout, je pense que maintenant, avec un peu de recul, si on fait l'Euroleague, il faut avoir une équipe avec beaucoup plus d'expérience. Ça veut dire que... Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu n'as pas besoin d'avoir autant de réglages, autant d'entraînement. Tu sais jouer au basket avec plus d'expérience, tu vois ça pendant 5 minutes, hop, ça y est, c'est calé. Alors que quand tu as 21 ans, il faut que tu comprennes, que tu apprennes à le faire, que tu comprennes pourquoi il faut le faire comme ça. Et puis si l'adversaire ne fait pas ça, il faut faire autre chose. Et c'est là le risque, et c'est ça le danger. Et c'est dans cette mesure, l'Euroleague était peut-être en trop, mais je ne le pense pas, parce que je pense que ça nous a fait grandir aussi. Les joueurs, ça les a fait avancer. Voilà. Mais par rapport, on l'a payé sur le championnat de France, c'est clair. Voilà. Mais ce n'est pas plus de joueuses, mais des joueuses plus aguerries. Oui. Alors oui, il en faut 9. Avec 9, ça passe. Mais il faut surtout plus d'expérience. Voilà.
avait une... En plus, ouais, voilà. Ben c'est simple. De le 9 septembre, entre août et jusqu'au 9 septembre, on avait dû faire 8 matchs de préparation, y compris des équipes comme Bourges, des bonnes équipes. On a fait 0 défaite. On blesse ces deux joueuses-là. C'était les deux joueuses qui mettaient l'intensité défensive en particulier, qui avaient vraiment un rôle important au niveau défensif. Et derrière, on voit la saison qu'on a faite, en fait. Voilà. Même si ce n'est pas la même chose, hein, les matchs de préparation, les matchs officiels. 48 jours de repos, ça fait 18% du temps. C'est pas énorme, là, s'il y a une convention collective qui existe. On n'est pas du tout dans, le domaine du travail. Compétition, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, 14 équipes, match aller-retour, des play-offs qui concernent simplement les 4 premières équipes, et puis un challenge round qui concerne les équipes de 5 à 8 qui sert à se qualifier pour une Coupe d'Europe. La compétition d'Euroleague, 21 équipes partagées en 3 groupes de 7, match aller-retour, c'est pour ça que je vous ai dit que ça faisait 12 matchs. Les 5 premières équipes sont qualifiées pour les 8e de finale, en sachant que vous allez me dire, mais comment on fait pour qualifier? Ça fait 15 équipes. Mais voilà. Alors en fait, et pas 16, c'est parce qu'il y a une équipe qui est désignée comme étant qui va organiser le Final 8. Voilà. Donc en fait, et cette équipe-là, elle ne fait pas les 8e de finale. Donc là, il y avait 15 équipes, moins Ekaterinbourg qui avait fini premier de notre poule. Donc ça fait plus que 15 moins 4, ça doit faire 14. Il y a 7 matchs, il va y avoir 7 vainqueurs, plus ces 4, ça fera 8 pour le Final 8. C'est. Faut regarder maintenant pour l'entendre. Final 8, donc les 7 équipes vainqueurs plus l'organisateur. Deux poules de 4, c'est ce qui vient de se terminer. Et les deux premières équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. 5 matchs en 7 jours pour les équipes qui vont. Coupe de France, voilà. Élimination directe, finale à Bercy. Le vainqueur qualifié pour l'Euroleague. 6 participations à la finale, ça fait 5 matchs. On vient d'en faire 3. Je crois, allez, on a fait 3. Oaskeal, Calais, on vient de jouer Basketland, la demi-finale auquel vous pouvez assister mercredi prochain contre Nantes, et puis éventuellement une finale à Bercy contre le vainqueur de Montpellier. Voilà, on va s'arrêter là sur ce PowerPoint parce que la suite est faite plutôt pour vos collègues de licence d'entraînement de physique, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Que mon rôle à Mondeville, il ne concerne pas simplement le basket. Parce qu'on est dans une structure qui s'est construite comme ça, avec un président qui est Daniel Dufour, qui fonctionne assez capable de l'encadrer, enfin capable de l'entourer de manière importante. Ça veut dire que le club, il fonctionne surtout en binôme, le coach et le président. Ça veut dire que mon rôle, c'est dans le coaching, c'est le recrutement des joueuses, les relations avec les agents, parce que vous précisez les joueuses que vous avez envie, sauf que ça vous rajoute une responsabilité supplémentaire, c'est que le président, il dit, c'est toi qui les as choisis, si tu perds, c'est ta faute. Voilà. Donc, mais j'aime autant assumer ces rôles-là, plutôt que d'arriver à un endroit où le président, il a choisi pour vous, et que ce n'est pas forcément les joueuses qui collent avec votre façon de jouer. Donc ça, c'est tout ce qui est du domaine du basket. La deuxième partie qui serait, je veux dire, tout ce qui est relations publiques avec les partenaires, avec les médias, où j'ai cette partie-là aussi. Alors, ça veut dire quoi avec les partenaires? C'est que les jours de match, par exemple, lorsque je vous parlais du restaurant, ou lorsqu'il y a le bip en bas, à la mi-temps ou à la fin des matchs en particulier, il peut y avoir des interviews. Il peut y avoir aussi des interventions en direct, à savoir que quand la personne qui s'occupe du marketing va voir un partenaire, de temps en temps, il me demande de venir, ou de temps en temps, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là et que je connais pas mal de partenaires, c'est moi directement qui vais voir les partenaires pour négocier quelques contrats. La dernière partie, si c'était sur l'autre, je me rappelle plus ce que c'est, je me rappelle plus ce que c'est le troisième penchant, le management, j'ai parlé. La logistique des matchs, non? Oui, voilà. Ça, je m'en occupe pas trop. La mise en place. Mais la logistique des déplacements,
où, par exemple, les déplacements de Coupe d'Europe, l'organisation des matchs de Coupe d'Europe à domicile, vous avez trois arbitres internationaux qui arrivent de partout en Europe, plus un commissaire qui vient. Et il faut réserver leur billet d'avion, choses comme ça. Et donc, c'était à moi aussi d'organiser ça. Alors, il y a des choses, déplacement en Russie, il a fallu aussi, parce que comme le club, quand vous faites un déplacement en Russie, ce serait bien d'être capable de parler anglais, par exemple. Et dans le club, il n'y a personne. Donc, dans les réservations d'hôtels pour l'étranger, c'est aussi moi qui m'en occupe. Il y a combien de salariés pour ce club ? Une secrétaire, un responsable marketing qui s'occupe du secteur professionnel, point à la ligne. Tout le reste, après, c'est des gens qui s'occupent des amateurs. Et c'est des bénévoles qui font des commissions. Même pas faux, c'est pas possible. C'est léger. Oui, c'est léger. Après, mon assistant est sur le domaine de basket. Mais on est obligé, par exemple, voyons, on va en Russie, il faut des visas. Eh bien, on est obligé de gérer cette partie-là aussi. Et quand je dis en Russie, mais c'est pas qu'en Russie. Parce que, vous voyez, quand vous allez en Turquie, dans l'équipe, il y a une joueuse malienne, une joueuse bulgare, une joueuse américaine, une joueuse lituanienne, et puis des Français quand même. Eh bien, quand vous allez d'un pays à l'autre, vous avez besoin de visa pour certaines, mais pas pour toutes. Donc il faut arriver à anticiper ces choses-là et essayer de ne pas faire trop de boulot. Pour le coup, puisqu'on a quelques questions, on va discuter un petit peu en revenant, mais c'est possible en cadre de cette conférence de revenir sur les conditions qui font que vous ne poursuivez pas avec une ville. Et pour le coup, quelles sont vos perspectives ? Il n'y a pas de souci, il y a un micro en plus. Il n'y a aucun souci, parce que je suis très à l'aise dans mes baskets. Quelles sont les raisons qui me font pas rester d'abord ? Vous savez, quand vous êtes coach professionnel, dans la même structure pendant 10 ans, c'est très rare. Il y avait Greg Beugnot en pro A qui était rendu à 9 ans, moi je suis à 10, j'en connais pas d'autres. Peut-être que c'est ma façon de faire. À nous de parler de l'avenir de Rennes, j'y suis resté 12 ans. Je ne suis pas tout le temps, avec du recul, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. D'abord parce que ça vous donne un bon coup de pied dans le derrière de partir de temps en temps. Pourquoi je pars ? Pour une raison principale, c'est qu'il y avait peut-être un peu d'usure. Deux, un budget qui va être revu à la baisse parce que au mois de décembre, depuis 5 ans, le club fonctionnait avec un partenaire de manière importante, qui était en gros devenu le président, puisque toutes les décisions importantes de recrutement, de financement, c'était lui qui les prenait. Il y avait un accord avec le président actuel pour le secteur professionnel, et le président gérait la section amateur. Et alors qu'on avait une discussion pour prolonger mon contrat au mois de décembre, le président a fait le choix de reprendre la main sur tout le club. Et le partenaire avait déjà engagé la chose du style « je resterai si c'est Hervé Coudray le coach ». Sauf que le président prenant toute la main, le partenaire se retirant, il perdait à peu près directement lui 300 000 euros qu'il apportait et son réseau 250 000 euros. Donc ça veut dire que sur 1,5 million, vous voyez, ça fait 30% de moins. Voilà. Et le président ne m'a pas proposé, mais de toute façon, s'il m'avait proposé quelque chose, moi je sais, puisqu'il a fait le choix de faire la promotion de mon assistant, il a fait le choix de couper de manière importante le budget sur l'encadrement de l'équipe. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle je reste pas. Le deuxième volant de votre question, c'est est-ce que j'ai des pistes ? Oui. Sauf que dans le basket féminin, parce que j'ai quand même une étiquette du basket féminin, parce que de 12 ans à Rennes, 10 ans à Mondeville, une année à Valenciennes, 2 ans avec l'équipe nationale filles du Mali, vous avez plus l'étiquette basket féminin que basket masculin. Et c'est pas simple de passer de l'un à l'autre. Les présidents hésitent un peu. D'abord parce que quand vous allez faire le recrutement, c'est pas du tout le même basket, vous connaissez pas les joueuses. Autant moi, on me demande. On me donne le nom d'une joueuse de basket qui joue dans le monde,
Il y en a 80-90% que je connais, les bonnes joueuses. Un garçon, hormis les joueurs qui sont en équipe de France, c'est un peu plus difficile. Si c'est un niveau intermédiaire, c'est un peu plus difficile pour moi. Il faudrait que je me mette dans le bain, il me faudra un petit moment. Donc c'est pas simple de passer de l'un à l'autre. Ça veut dire que je tombe en plus sur une année où il n'y a pas beaucoup de turnover dans le basket féminin en France. Je crois qu'il va peut-être y avoir un club qui va peut-être changer, c'est pas encore sûr. Donc ça veut dire que je risque de partir à l'étranger ou d'être en train d'attendre que ça se passe mal à un endroit. Et c'est pas dans ma façon de faire, je suis pas quelqu'un qui aime attendre. Là, je suis sans arrêt en train de regarder mon téléphone pour qu'il sonne, une chose comme ça. Et c'est pas dans mon profil. Donc j'ai ouvert d'autres pistes. Une piste qui vient de se refermer hier parce que je devais prendre normalement l'équipe nationale du Canada en filles. Et puis en fait, ils ont fait le choix de promotionner aussi l'assistante du Canada. J'ai ouvert une autre piste sur l'équipe de France féminine. Puisque comme je suis fonctionnaire du ministère Jeunesse et Sport, j'ai aussi la possibilité de travailler pour la fédération. Et je vais avoir un rendez-vous avec le président de la fédération et le directeur technique national très prochainement. Récemment nommé pour lui. Le DTN, je ne sais même pas si officiellement il est encore nommé parce que. Pas tout Bisley sans doute. Pour tout dire, il y a deux jours, il y a Patrick Bisley qui m'a dit je te répondrai plus tard parce que le DTN n'est pas encore nommé. Et juste avant de venir, je reçois un mail du président de la fédération qui me dit Hervé, d'accord pour qu'on se rencontre avec Patrick Bisley. Donc même si c'est pas officiellement. Donc voilà, j'ai ouvert une autre piste là-dessus. J'ai ouvert plusieurs pistes à l'étranger. Alors pour vous donner un ordre d'idée. Ça va de Galatasaray en Turquie, au Spartak Moscou, en Chine, parce que la Chine est un pays qui est vraiment en phase de développement dans le sport, et y compris dans le basket féminin, parce que maintenant les meilleures américaines, australiennes, elles préfèrent gagner 60 000 euros ou 60 000 dollars par mois en Chine que 60 000 dollars en Europe. Enfin, même quelque chose comme ça. Donc voilà. Et peut-être me dire stop, il y a peut-être un projet sur Caen. Avec une équipe de garçons, à condition de fédérer le partenaire qui est parti avec moi, Nicolas Batum, à un autre endroit. Vous savez, quand vous êtes basketteur, quand vous êtes entraîneur de basket, ce qui vous intéresse, c'est le challenge. C'est le défi. Et quand je vous dis ça, c'est une connerie, hein. Mais ça veut vraiment vous dire que vous sentez un truc ici, et hop, vous partez là-dessus. Hein. Le jour où je suis parti... à Saint-Brieuc, j'étais chez les filles, l'équipe venait d'accéder en ligue féminine, au meilleur niveau, et je décide de partir pour aller m'occuper d'une équipe professionnelle garçon. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que j'étais CTR, j'avais entraîné le fils du président de Saint-Brieuc, et puis il m'a dit, tiens, mon fils était un dur, t'as réussi à le mater, je veux que tu prennes l'équipe garçon, puis je suis parti sur ce défi-là. C'était des projets basket planché? Non. Parce que moi, je pense à Michel Véronnet à Rouen, qui avait fait une rencontre dans les maisons de Rouen, qui disait l'avantage de gagner le samedi soir, c'est que les emmerdements sont retardés d'une semaine. Mais que année après année, ça use, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met le discours, ça se passe bien, l'année dernière, là, moins bien, évidemment. Il n'y a pas de tension dans les armes, j'ai pas l'impression, mais c'est quand même pas de. Et quitter le parti. Et alors tu vois, juste derrière, quand j'ai dit que ça avait, je vais manger avec vous et je ne mange plus avec vous, c'est parce que j'ai un rendez-vous à la direction régionale jeunesse et sport. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé ici pendant 5 ans à la DR pour m'occuper de choses très différentes, la lutte antidopage, le sport de haut niveau, les subventions, le CNDS. Et à certains moments, ça use de faire du haut niveau. Ça use pourquoi? D'abord parce que vous avez vu, vous n'êtes jamais chez vous, ou très peu. J'ai deux enfants qui ont 8 et 13 ans, ce serait bien de passer un peu de temps avec eux, surtout quand il y en a un qui vient vous dire, là il est parti 8 jours pendant les vacances avec un copain et sa famille au ski. Et puis lorsqu'ils sont venus, il y a la maman qui est venue voir ma femme qui lui a dit, tu sais ce qu'il m'a demandé ton fils pendant les vacances? Il dit non, est-ce que tu pourrais pas être ma famille d'accueil? Parce qu'il a une trouille, c'est qu'on parte et qu'on déménage. Ben ça vous fait réfléchir un peu. Vous dites, waouh, je pense à moi, parce que je me.
c'est mon dada quand même, faut pas que j'exagère, je suis un peu égoïste. Ça me fait bien plaisir de faire du haut niveau, d'être un jour à Zagreb, le lendemain à Moscou, à Lyon, et hop, puis je repars. Mon sac de voyage, il est dans le bain de mon lit, vous enlevez le linge sale, vous mettez du linge propre, et puis vous repartez. Voilà, c'est ça. Et puis, la dernière partie dont j'ai pas parlé, c'est ce que je viens faire ici, là, quelques conférences. Mais le problème, c'est que quand vous êtes entraîneur, vous allez aussi faire des colloques d'entraîneurs à l'étranger. Je suis allé au Congo, je suis allé au Mali, je suis allé en Tunisie. Et c'est sympa de parler basket. Sauf que votre famille, elle en souffre un peu. Et là, la remarque de Brian, elle va dans ce sens-là aussi. Donc voilà. Donc est-ce que il pourrait y avoir un projet différent? Oui, oui, il peut y en avoir un. Ouais, je pense que ça, le costume, je l'ai déjà le jour du match. Mais d'aller voir des partenaires, tu vas m'occuper de marketing, m'occuper en tant que général manager d'une équipe, mais pas être en direct sur en prise directe sur l'équipe, peut-être. Ouais. On va avoir un groupe à des sports tout là, ouais, ouais, je sais pas si. L'avantage de 150 de lèche, et qui a le problème de jouer les trous. Donc après refaire la DR sans un projet basket à côté, je suis pas sûr que ça. Et ça s'est pas amélioré. C'est plus la merde DR qui a. Ouais, voilà. Donc je sais. Les dépôts en ont. Est-ce que l'annonce de votre départ a affecté votre méthode de management, vos relations avec les joueuses, alors qu'il reste encore des matchs à discuter? Est-ce qu'elle était au courant, par exemple? Non, mais attendez, pour tout vous dire, si, c'est un peu du off, mais peu importe, les gens savent, je demande 2 jours d'autorisation d'absence à mon président. Pendant une période, on n'a pas de match. Et pourquoi je demande 2 jours, et là j'ai fait attention de les demander? C'est parce que justement, j'avais rendez-vous à Toronto avec la Fédération canadienne. Et pendant que j'atterris à Paris d'abord, le téléphone, là je ne sais pas ce qui se passe, j'atterris à 9h30, et là entre 8h et 10h, le téléphone n'a pas arrêté. Ouest France, France Bleu, France 3, enfin tous les médias. Et pourquoi? C'est parce que le matin, le jeudi matin, il y a un article dans la presse où Ouest France sort que je ne vais plus être entraîneur, que ça va être Romain en main. Et donc, en fait, je l'ai un peu appris par la presse. Voilà. Donc, et pendant que j'étais à Toronto, j'ai un agent de joueur, de joueuse, qui me dit, le président, il voudra te voir à ton retour. Je dis, bah, c'est sympa, il aura pu me téléphoner ou me dire. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça a affecté quelqu'un? Oui. Moi, d'abord. Même si j'étais, moi, depuis le mois de novembre, j'avais dit, Romain, prépare-toi. Il y a 2 filières. C'est où le président, il dit OK au projet partenaire qui lui voulait ramener plus d'argent, voulait avoir un projet qui était d'essayer de monter encore un peu plus haut l'équipe, et puis il y a le projet du président. Le président qui, à mon avis, avait peur de ce projet-là et qui a repris toute la main. Et j'avais dit à Romain, je dis, si c'est la deuxième voie qui part, le président il proposera la place et il donnera 500 euros, 600 euros, je ne sais pas combien de plus, et c'est toi qui deviendras entraîneur. Donc dans ma tête, j'étais déjà préparé à ça. Et quand j'ai su avant de partir, que le président, il ne bougeait pas, il ne voulait pas du projet du partenaire, mais il voulait son projet, je savais ce qui allait se passer. Par contre, tout s'est passé pendant que je n'étais pas là. Ils ont eu le tapis rouge, ils ont tout fait pendant que je n'étais pas là. Mon assistant a été rencontré le président. Alors heureusement, c'est un mec bien, il m'a téléphoné quand j'étais au Canada, donc j'étais à peine surpris, mais j'étais à peine surpris et surpris quand même. Je ne pensais pas que ça allait sortir dans la presse. Donc la première personne qui a été affectée, c'est moi. Le deuxième problème, c'est que ce soit mon assistant qui devienne entraîneur. Et quand vous parlez à des gens, vous imaginez, on est tous les deux. C'est moi qui vous fais les cours. Mais que demain, c'est lui qui fait les cours. Donc vous dites, celui-là, c'est même plus la peine que je l'écoute. Le seul qui me notera, c'est celui-là. Donc voilà, il y a ce contexte-là. Et ce qu'il faut tout rajouter, c'est qu'on est dans une période qui est de toute façon, même si vous restez en place, qui est difficile. Parce que dans le basket féminin, les négociations pour les contrats pour les années suivantes se passent déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Donc c'est déjà une période qui est difficile. Là, avec un nouveau coach qui fait son équipe pour l'année prochaine, je
vais pas dire dans mon dos, parce que la première chose, quand je suis arrivé de Toronto, je dis ce serait bien qu'on se voit, parce que je suis quelqu'un qui est habitué à gérer les projets. J'ai là, je sais que le projet, il va être sans moi. Donc la meilleure des choses, ce serait qu'on soit pas, qu'on soit un peu vigilant l'un vis-à-vis de l'autre. Quand tu as besoin de parler à un agent, à une joueuse, ça se fait pas devant moi, ou ça se fait de manière discrète, ou je suis au courant, ça se fait pas trop dans mon dos. Même en faisant attention, c'est difficile. Voilà. Donc est-ce que ça a perturbé? Oui. Oui. Parce que je pense que il y avait certaines joueuses qui ne seraient sans doute pas restées dans mon projet, qui sont restées là, donc là elles se sentent un peu plus fortes. Et d'autres, l'inverse, qui seraient sans doute restées, qui là vont plus rester, et qui là sont un petit peu en dedans. Voilà. Donc est-ce que là j'ai une paire royale avec le président, parce qu'il sait très bien qu'il ne s'est pas mis dans la facilité quand vous êtes là depuis 10 ans, que vous connaissez un peu les politiques, que vous connaissez un peu tous les partenaires. Il a pris des risques. Voilà, il a pris des risques. Justement, sur ce terrain-là, de ce que vous connaissez du basket canet, la montée en puissance du CBC est un motif d'inquiétude pour le club de Montville. Parce qu'il y a les concurrences. Est-ce qu'il monte en puissance avec les partenaires, etc. Est-ce qu'il monte en puissance actuellement? Enfin, moi, depuis quelques années, je les vois en National 2, rater la montée, en National 2, rater la montée. Est-ce qu'ils pourraient monter en puissance? Oui. Oui. La connerie que je vous dis, là, Nicolas Batum, Thierry Godefroy s'engageant sur le CBC. Il a 1 million d'euros. C'est dit ça, Nicolas Batum, la rumeur, elle est persistante. Mais oui, Nicolas Batum a dit depuis des années qu'il s'investira dans le club. Il vient de signer un contrat énorme. Maintenant qu'il a signé son contrat, il va pouvoir y penser. Mais vous imaginez que... Parce que si Thierry Godefroy, avec la puissance financière qu'il a, s'engage avec Nicolas Batum, là, ça peut devenir concurrentiel de monde, c'est clair. Par contre, pour le moment, il n'y a pas d'accueil possible. Quand je dis pas d'accueil, la salle elle est pas... La salle de l'Ukraine est une salle qui est intéressante pour accueillir quand même la Ligue féminine. Le palais des sports, pour accueillir les partenaires, c'est un peu... Il y a des questions dans l'assistance peut-être. Je n'ai pas parlé tout le temps, mais j'ai parlé beaucoup. Je voulais savoir si c'était pour mon ville, pour la petite musique de l'eau, si c'était rentable de faire vraiment le relais derrière. Ça ne coûte pas d'argent. Pour une raison, c'est que le partenariat avec les collectivités a été fait comme ça. C'est, les chiffres ne sont pas exacts, mais tu vois, par exemple, le Conseil Général achète par match de Coupe d'Europe, je veux dire, 400 places. Donc tu sais qu'à chaque match de Coupe d'Europe que tu joues à domicile, tu as 400 places d'acheter à un tarif précis par le Conseil Général, tu en as tant d'acheter par le Conseil Régional, tu en as tant d'acheter. Donc de toute façon, ça couvre sur l'ensemble, ça couvre les frais de déplacement, d'arbitrage et compagnie. Quand tu joues Ekaterinbourg à domicile, la salle est pleine. Quand tu joues Galatasaray, l'équipe turque, avec une communauté turque qui est hyper importante sur Hérouville-Saint-Clair, 400 turcs dans la salle, ça fait dire 7 bichets qui sont beaucoup plus importants que quand tu joues même Nantes à demi-finale de Coupe de France, par exemple. Donc, ouais, en Coupe d'Europe, c'est pas, ça coûte pas d'argent. T'en gagnes pas, hein. T'en gagnes pas, c'est pas comme en Champions League, tu marques 2 buts, tu ramasses de l'argent, tu gagnes un match. Non, là, il n'y a rien du tout. Tu ramasses pas d'argent de la fédération internationale. Tu en récupères simplement lorsque tu vas au Final Four, enfin au Final Eight, et que tu finis dans les quarts. Là, gros, tu vas ramasser de l'argent parce que c'est mal. Oui. Je voulais savoir au niveau de la ville de Longville, tout le sport est réuni au sein de l'USAN. Ça se passe comment? Vous avez beaucoup de liens avec les autres clubs? Depuis que l'équipe est devenue une équipe professionnelle, on n'est plus dans l'USOM. On s'appelle toujours USOM, mais on est complètement à part de l'USOM omnisport, on va dire. On est complètement à part. Et à un moment, il y avait le tennis de table qui était dans le même cas, qui avait une structure à part. Dès que les clubs, je crois que le foot, c'est même pas, ça ne fait pas partie du SOM, c'est pas U-S-O-N-M. Je crois que c'est
crois que ce n'est pas tout à fait la même entité. Donc pas de lien Ce sont les liens qu'on pourrait avoir. Non, genre, on a des liens avec le basket amateur, les autres sports. Non, pas du tout. Vous avez des données sur les affluences moyennes en matchs LFB, pour en ville Là, je crois que cette année, on est aux alentours de 1800 de moyenne, ce qui fait la deuxième affluence en France. Il y a Bourges qui est au-dessus, et après, c'est vraiment en dessous. Parce que Perpignan, par exemple, qui est une des équipes bien classées, n'a pas une salle adéquate. Lyon est en train de monter un petit peu. Villeneuve a eu, mais a baissé, est en train de repartir. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Bourges, c'est aux alentours de 2500 de moyenne, 2500 spectateurs de moyenne, 2500, 2600 de moyenne. Et vous avez à peu près combien d'abonnés? Je crois qu'il peut y en avoir 200 cette année. Il y a quand même beaucoup d'invitations. Enfin, ou d'à chaque collectivité même. Ouais. Pas énormément d'invitations. À chaque collectivité, un peu, oui. Ça veut dire qu'en gros, 400, 500, 600, il doit y avoir 600 places d'acheter à chaque match par les collectivités. Et le reste, non, c'est des particuliers. Ou des partenaires. Des partenaires qui achètent même du grand public pour donner à. Des collaborateurs. Voilà. Comment se passe le scouting Alors, moi depuis 10 ans, dès que la saison se termine, je pars aux États-Unis pour essayer d'anticiper les choses. En général, quand je pars au mois de mai, mon équipe pour l'année qui vient, elle est déjà faite. Par contre, en allant à cette période-là, ça me permet d'avoir un an d'avance. Je vois les WNBA. Alors l'objectif, c'est pas de repérer les meilleurs jeux en WNBA, parce que vous savez que vous ne pourrez pas les offrir, mais c'est d'essayer d'être capable de voir des entraînements avec des joueuses qui jouent pas énormément, et de vous dire, tiens, ces joueuses-là, elles pourraient jouer dans mon équipe. Donc depuis 10 ans, j'y vais en gros un mois et demi, dans différentes franchises, enfin différentes équipes, et puis je vois les entraînements, les matchs. Il y a 2-3 endroits où je suis déjà bien connu, et où je suis presque assistant à un moment, parce que je suis sur le terrain avec elle. Donc ce qui me permet de les connaître et de discuter avec elle. Noëlle Quinn, par exemple, qui est arrivée en janvier, c'est une joueuse que j'ai vue pendant que j'étais l'été dernier, enfin au mois de mai, aux États-Unis. Donc ce qui me permet de connaître beaucoup de joueuses. L'avantage aussi, c'est que quand vous faites la Coupe d'Europe, vous avez un accès sur une plateforme qui vous permet de voir tous les matchs de Coupe d'Europe d'Euroleague. Donc il suffit de les télécharger facilement. Donc vous savez, dans une semaine à deux matchs. Pour préparer ce match-là, je regarde trois matchs. Pour préparer ce match-là, je regarde trois matchs. Je regarde le match qu'on a joué avant. Plus, quand j'ai besoin, je continue à regarder d'autres vidéos parce que j'ai un autre adversaire. Vous passez votre temps à regarder des matchs de basket, en fait, voilà. Est-ce que l'autre mode de fonctionnement par rapport au scouting, c'est qu'il y a des agents qui représentent des joueuses et qui vous sortent un catalogue avec toutes les joueuses et vous pouvez récupérer des vidéos. Ça, c'est plutôt... quand vous ne connaissez pas la joueuse, vous récupérez des vidéos, mais si vous la connaissez, vous avez déjà un peu une idée. Voilà, comment on fait, on regarde les stats, on regarde les vidéos, on prend des contacts. L'avantage d'être dans le basket féminin depuis longtemps, c'est que vous créez un réseau, et qu'il y a des joueuses que je connais particulièrement, parce que je les ai peut-être coachées, qui ont joué avec cette personne-là. Donc le téléphone, ça sert aussi à ça, pour essayer d'avoir des renseignements sur le type de personne, parce que quand vous voyez une vidéo, vous ne voyez pas forcément quel type de personne c'est. C'est la grosse différence. Si je passais dans le basket masculin, c'est pas le même réseau. Donc je recrée ce réseau. Maintenant que vous savez que vous allez partir, vous dites qu'aujourd'hui vous venez plus qu'à Montpellier pour faire les entraînements et vous gérez du tout ce que vous gérez avant. Est-ce que sur votre approche des matchs, ça change quelque chose, sans parler de moins de professionnalisme ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez changé votre façon d'aborder les matchs? Non, ça n'a rien changé. Quand j'ai dit ça, je l'ai peut-être dit de manière un peu brusque, mais c'était par exemple, je ne m'occupe pas du recrutement.
recrutement de l'année prochaine, évidemment, parce que je ne vais pas être là. Et encore, quand je dis je n'en parle pas, si j'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que mon assistant est dans le basket féminin depuis un an et demi et qu'il ne connaît pas les joueuses. Donc il vient me voir et me dit, Hervé, est-ce que tu peux me dire, Anne Vallée, c'est quoi comme type de jeu? Est-ce que je peux la recruter? Enfin, voilà. Donc il m'en parle. Mais je n'ai rien changé par rapport à ma façon de faire. Et à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut déjà donner, commencer à passer le relais pour que lui, voilà. Et puis lui n'a pas souhaité le faire, le président non plus. Donc voilà, je prépare les matchs de la même façon. Oui. L'objectif, ce serait d'aller à la finale à Bercy. Le tandem avec votre assistant fonctionne toujours de la même façon. Ouais, ça va. Est-ce que vous avez discuté, il vous a dit j'ai hésité, je t'aurais suivi, il voulait pas prendre. C'est moi qui lui ai encouragé à le faire. J'ai encouragé à le faire pour une raison. D'abord dans ce métier, c'est comme si vous étiez sur le quai de la gare et le train il passe, vous montez dans le train, vous ne montez pas et vous n'êtes pas sûr qu'il y a un deuxième train. Et je lui dis, t'as cette chance là, c'est trop tôt, ouais c'est peut-être trop tôt, mais tant pis, monte dedans et puis accroche-toi pour que ça se passe le mieux possible au départ. Il faut que tu tiennes pendant un an, 2 ans, et puis hop, après ça sera parti. La deuxième chose, c'est que si lui dit non, il se retrouve assistant, il reste assistant, mais il se retrouve à travailler avec quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui ne sait pas s'il va s'entendre avec cette personne-là. Voire, il peut se retrouver même pas assistant. Parce que vous pouvez très bien dire, le président, il recrute cette personne-là, il dit oui, moi, je viens, mais je viens avec mon assistant. Donc c'est pour ça que j'ai dit force. Même si c'est dur, même si le budget va descendre, même si, comme il ne connaît pas les choses, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? De garder un peu les choses qu'il peut garder de l'équipe actuelle. Comme ça, il les connaît déjà, ces choses. Bon pour tout le monde. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Vraiment, merci beaucoup.